Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un tarot. Un tarot que j'ai reçu des éditions Bussière pour vous le présenter. C'est les lames de l'âme, tarot de Justine Darmon. Donc ça s'écrit comme ça, les lames de l'âme. J'aime beaucoup, beaucoup, je l'avais déjà repéré, hein. Mais bon, on ne sait pas tout acheter non plus. Voilà, donc il est au prix de 32 €. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Influencé par les peintres de la Renaissance et les contes de son enfance, l'artiste et photographe Justine Darmon effectue un travail sur les matières, les ombres et les lumières qui donne à son œuvre un caractère onirique et intemporel. Elle laisse libre cours à l'intuition du tarologue en jouant sur la face cachée des lames, leur ambivalence et les symboliques multiples réactualisés. Ce splendide tarot est le fruit de plusieurs années de réflexion sur la symbolique des lames de divers tarots et sur leur portée divinatoire. Ce jeu, incluant les 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs, est à l'image de l'univers de sa créatrice, fascinant, foisonnant et d'une extrême sensibilité. Découvrez la richesse de cet univers unique et levez le voile sur l'avenir. Ce tarot a 1000 choses à vous apprendre, sur vous comme sur les autres. Donc on a un livret de 48 pages et évidemment un jeu de 78 cartes illustrées. Alors on va l'ouvrir ensemble. C'est dans une grande boîte en dur. L'intérieur est blanc. Voilà. On a donc ce livret de 48 pages. Les cartes sont comme ceci. Ça, franchement, moi, je vais virer parce que quand je veux enlever les cartes et que tout le bazar sort avec, ça va pas le faire. Donc, je l'ai laissé dedans pour vous montrer à la vidéo, mais je vais le mettre dans un pochon. Parce que ça, c'est déjà un petit point négatif que je n'aime pas trop. Donc, un petit pochon, oui, c'est réglé. C'est des petits... On déchire pas tout, ça s'enlève facilement parce qu'il y a certains jeux où... Quand on veut l'enlever, on arrache tout le coffret, mais ici, non. Donc, ça va. Donc, ici, on a eh bien la petite biographie de l'autrice, de la personne qui a fait le jeu, hein, Justine Darmon. Voilà. Donc, elle est née en 73 à Paris. Sa démarche artistique, les expositions qu'elle a fait, parce qu'apparemment, les lames sont... où vont être exposés. Non, ils ont déjà été exposés. Il y avait une exposition aussi prévue, j'avais vu cette année, mais avec le Covid, je crois que ça a été déplacé en grand format, je pense. Donc, on a les arcanes majeures. Donc, vous voyez, on a le titre et alors on a à chaque fois à l'endroit, à l'envers, l'illustration. Il n'y a pas des masses, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, les mineurs. Bon, là, c'est comme on dit, un pip deck, hein. C'est juste un bâton, deux bâtons. Les honneurs, du coup, pour les personnages de cour. Et alors, on a... Oh, j'ai fait trop vite. Des exemples de tirage. Le tirage en croix. En grande croix. Et la table des matières. Par contre, pour ceux qui ne voient pas clair, pas bien, c'est écrit en grand. Voilà. Alors, comme je vous disais, ça, moi, je vais enlever parce que ça ne me plaît pas trop. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Ça, je ne vais pas garder. Youp. Voilà. Oh, j'allais pas bien les mettre. Voilà. Donc, les cartes sont... Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis si loin. Voilà. Voilà, voilà. Le dos, les cartes, du coup. Très joli. Les tranches sont dorées. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont mates. C'est très joli. Par contre, je crois qu'elles vont pas bien s'étaler, mais se mélanger, oui. Voilà. Et alors, on a le mât. Très noir, mais j'aime beaucoup, moi. Le battleur. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. L'amoureux, le chariot. J'aime beaucoup, moi. Il m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu. Donc, il suit le Marseille. Hein. La justice est en 8. Et la force, du coup, en 11. Bon, forcément, les mineurs ne sont pas illustrés. L'ermite. La route fortune. Par contre, je ne sais pas si vous voyez. Moi, ça, c'est un petit détail qui ne me plaît pas trop.
Parce que je suis un vrai maniaque, mais il est vraiment hyper mal quadré, quoi. Vous voyez, la bordure est nettement plus grande là que là. Et moi, en général, quand il y a un défaut comme ça, je ne vois que ça. Je trouve ça dommage. Je sais pas si c'est sur tous les jeux ou le mien, mais ça, c'est vraiment dommage. Ça m'embête, moi, quand c'est comme ça. Mais bon, ça ne gâche rien aux illustrations qui sont magnifiques. La roue de fortune. Mais c'est un petit peu dommage. La force. Le pendu, surtout que les cartes sont de très bonne qualité. C'est dommage. Le pendu. L'arcane sans nom, du coup, hein, pour la mort. Magnifique. Très très belle. La tempérance. Bon, ça, c'est vraiment mon côté un peu maniaque, perfectionniste. Ça n'empêche en rien d'utiliser le jeu. Le diable. La tour, la maison Dieu, pardon. Elle est très belle. J'ai tellement l'habitude d'employer des riders que je dis la tour, l'étoile. Il est vraiment beau. Hein. Très sombre, la lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Et ici, voilà, l'as de bâton. On a un bâton. Deux bâtons. Oui, c'est vraiment un pile deck. Bon, ceux-là, on va les passer plus vite du coup. Vu que c'est un. Je vais vous montrer quand même les honneurs, comme on dit. Le valet. Le cavalier. La reine magnifique et le roi. Ensuite, les coupes avec l'as, le 2, le 3, 6, 8 et le 10. Et puis les valets. Ben, le valet, pourquoi je dis les? Le cavalier. La reine et le roi. Ensuite, les deniers. Avec l'as de denier. Le 9 et le 10. Le valet. Le cavalier. La reine et le roi. Et pour finir, les épées de nouveau avec. Voilà. Et puis le valet. C'est marrant, on dirait que c'est une jupe en nuage. Le cavalier. La reine et le roi. Voilà, donc c'était le très beau tarot de l'âme. Les lames de l'âme. Voilà, un très beau jeu, j'aime beaucoup les illustrations, juste un tout petit bémol ben, pour le cadrage des cartes qui est un petit peu dommage du coup. Voilà, mais je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et dites-moi tout en commentaire si vous l'avez aussi, puisqu'il est déjà sorti il y a un petit moment celui-là, si vous l'avez, si vous le connaissez ou si vous le découvrez dans cette vidéo. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage ça ensemble. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.